pourquoi est-ce que je tiens avec Roger ? Parce que j'aime ses idées, j'aime ses convictions, j'aime son amour de la planète, de l'environnement, de l'humain, du vivant. C'est un homme de gauche, c'est un homme d'amour, c'est un homme de cœur, c'est un homme qui a envie de... qui pense aux générations futures, qui pour lui... la politique, c'est pas simplement un petit problème franco-français de réparer la fuite sous le lavabo, c'est de penser à la toiture qui est en train de cramer et aux fondations qui sont en train de s'écrouler. Il pense plus large, il pense à l'environnement, à la planète, aux générations futures, comme les vrais écolos, comme les écolos qui du Parti des Verts, comme ceux que je soutiens, pour lesquels je vote depuis près de 20 ans, depuis 15 ans. Et puis parce qu'en plus, il est... le député vert de mon arrondissement, où je vis depuis 55 ans, et d'ailleurs je me demande comment vivre ailleurs. Et en plus il est soutenu par le PS, et voilà, mon cœur est à gauche, il a toujours été à gauche. Alors, on tolère les artistes qui ne sont pas du 14e, ou les musiciens du 15e ou du 2e, même du 17e. Franchement, comment vivre ailleurs que dans le 14e ? Franchement. Même du Chili nous arrive pour vivre dans le 14e. Angel Parra. Hasta siempre, comandante. Hasta la victoria, siempre. J'entends pas ma guitare. Voilà, c'est mieux. On y va. Allez. De nous en dresser le tableau, sont un peu artistes, c'est déjà ça. De leur passion, c'est leur boulot. Dans leur forme antique, les médias sont fiers payer beaucoup d'impôts.
quelque sorte, qui vont venir faire peut-être un petit numéro. Yves Cochet et Pierre Castagnou. Hélas, je ne sais plus qui a pu chanter. Mais avec toi. Non. Alors là, c'est pas possible. Moi, je ne chante pas, hélas. J'aurais voulu, j'aurais pu être un artiste aussi. Enfin, finalement, ce qu'on fait, c'est une sorte d'art, mais disons, dans un autre domaine. Alors, en tout cas, ce qu'on souhaitait vous dire, évidemment, Pierre et moi, c'est la joie, justement, comme vient de dire notre amie Corinne, d'être tous ensemble ce soir. On est en pleine campagne législative, et ça n'est pas fini. Et, comme dit également Corinne, nous espérons pouvoir gagner, mais ça sera avec vous. Alors c'est pourquoi ce soir, on ne va pas faire un discours, les meetings, c'est pour la semaine prochaine. D'ailleurs, vous êtes toutes et tous invités au meeting qui aura lieu au soir, Auguste Renoir, dans exactement 8 jours, où il y aura non seulement Pierre et moi, mais aussi Bertrand Delanoë et Dany Cohn-Bendit, qui sont également des artistes à leurs heures. Et donc, je souhaite essentiellement vous remercier d'être venus. J'espère que vous passerez une bonne soirée et que ça nous redynamisera après les quelques épreuves qu'on a eues il y a 3 semaines, hein, qui quand même nous ont un peu touchés politiquement. Mais là, c'est pour nous remettre en route, pour gagner tous ensemble dans le 14e, de telle manière, non seulement le 14e, mais l'ensemble de Paris, l'Île-de-France et pourquoi pas la France, et beaucoup plus, disons, de députés progressistes qu'elle en a actuellement, de telle manière qu'on puisse évidemment s'opposer à l'hégémonie sarkozyste qui nous inquiète tous. Voilà, je veux encore une fois vous remercier et remercier bien sûr tous les artistes, hein, qui sont des amis, qu'on connaît les uns et les autres personnellement, qui ont bien voulu de manière bénévole venir ici ce soir pour nous prouver qu'il fallait résister, qu'on pouvait le faire ensemble avec vous les citoyens, avec vous les militants, avec vous les artistes, que je remercie encore. Selon le proverbe de l'aphorisme de Benjamin Franklin, un peuple qui sacrifie sa liberté à sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Allez, vive M. Castagnou, M. Yves Cochet, on va les niquer. On va les battre. On va les manger. Merci les gars.